Bonsoir les lionceaux, nous revoilà. Alors, pour le troisième essai ce soir, hein, petit problème de son. Donc, on va voir si là vous m'entendez. J'ose espérer que oui. On va attendre Carlo qui est bientôt en ligne, puisque le mercredi soir, eh bien, c'est le soir de votre duo préféré, votre duo franco-belge préféré. Et justement, notre Carlo National se connecte. Du moins, je l'espère. Alors, restez en ligne, c'est le soir du téléshopping du bien-être. Carlo et moi, nous allons faire un bilan de là où on en est. Alors, y a-t-il quelqu'un? Allô, allô? Oui, Carlo est presque là. Hop. Carlo, peux-tu faire la demande pour assister au live, s'il te plaît? Bonsoir à ceux qui se connectent. On essaye tant bien que mal de faire le live avec Carlo. Ça semble un petit peu compliqué ce soir au niveau du son, au niveau de la technique. Carlo, je ne vois pas ta demande. Attends, je vais t'ajouter, on va voir. Alors, voyons d'ici quelques secondes si Carlo se connecte. Attention, on va compter jusqu'à 3. 1. Carlo, m'entends-tu? Oui, je t'entends. Miracle, 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 je t'entends. Oh, tout va bien. À chaque fois que la technique est bonne, on fait une hola, hein, parce que là, en ce moment, c'est un peu catastrophique, la technique. C'est ça. On devient fou, on s'entend. Voilà, exactement. Alors, attends, je vais essayer de mettre mes oreillettes. Et là, prions pour que tu m'entendes encore. Parce que parfois, quand je ne mets pas mes oreillettes, il y a des problèmes au niveau du replay. Attention, suspense. Carlo, m'entends-tu? Carlo, m'entends-tu? Tu parles, Vanessa? Oui, je parle. D'accord, je vois que tu parles et en plus je t'entends, hein, c'était une blague. Voilà, Vanessa, tout va bien. Ah, toi le vilain alors, hein? Non, mais j'aime bien faire le doigt comme ça, tu vois, sur l'écran. Bon, alors, après cette introduction un petit peu chaotique, alors, nous disions donc que le mercredi soir, eh bien, c'est le soir du téléshopping du bien-être avec votre duo préféré, Carlo et moi, bien sûr. Alors, On a une mascotte, si tu veux. Je vais te l'introduire. Elle ah est juste à oui? côté de moi parce qu'elle Oui. t'aime bien. Voilà notre mascotte. Oh, Bah oui. Bah oui, moi je crois en tout ça. Donc une voilà, elle est licorne! là. Trop licorne, t'es mignon! Tu crois aux licornes qui boivent dans un lac d'aloe vera, c'est ça? C'est ça, c'est ça. Mais c'est bien, c'est bien. Mais peut-être que quelque part dans un monde parallèle, ça existe, on ne sait pas. Ah ben elle est là. C'est pas C'est dans le ça. monde parallèle, elle est à côté de moi. Donc elle Est-ce existe. qu'elle vole? C'est ça la question. Est-ce qu'elle Ah vole? mais écoute, ça c'est secret, mais elle vole. Ça vole D'accord. vraiment. Ça vole vraiment, les licornes. Donc n'aie pas D'accord. peur de voir ça dans le ciel, mais ça vole vraiment. Et en plus, ça donne plein de petites couleurs derrière elle et ça porte du bonheur aux gens. C'est ce qu'on va faire Ah, ce soir aussi. Hein? ben oui, Donc c'est ce qu'on voilà. fait chaque fois qu'on apparaît à l'écran, finalement. Ben oui, voilà. Ben, écoute, vu qu'on est un peu dans la débilité, je sais que tu parles beaucoup de langues. Je ne vais Oui. pas te demander en indien comment on dit enceinte, mais je vais te demander en coréen. Le mot Enceinte, enceinte. enceinte pour Enceinte. écouter du son ou enceinte quelqu'un dans une femme enceinte? Enceinte, enceinte, voilà. Enceinte, le mot Enceinte en enceinte. coréen. En coréen. Alors là, j'avoue que tu as un peu surestimé mes capacités intellectuelles. Ou en japonais, si tu veux. Non plus, ça vient pas. Plus ça va bien. C'est pas grave, moi non plus. Voilà. Ah bon, Non, d'accord, non, non. Juste, hein, enceinte en sud-coréen, c'est Imatomi! Imatomi! t'es fou, mon Carlo. Non, je suis en bonne humeur. Voilà Cet quoi. homme est dingue. Cet homme est dingue. Donc, au moins, si vous ne saviez pas, eh bien, maintenant, c'est affranchi, c'est officiel.
Voilà, c'est pour ça que j'ai le passeport pour être fou. Voilà, ok, merci Vanessa. Écoute, Merci pour cette introduction, n'est-ce pas? Donc, revenons donc au télé-shopping du bien-être. Donc, tous les mercredis, nous sommes là pour vous parler d'un produit de la gamme avec lequel, avec laquelle, bien sûr, on est vraiment adepte et en fusion totale depuis des années. c'est ça. Donc, là, depuis quelques semaines, on a parlé déjà des indispensables. Quand vous allez dans la boutique en ligne, vous avez plusieurs rubriques. La première rubrique, c'est les indispensables. Et depuis quelques lives, on vous a parlé de la pulpe d'aloe vera, qui est la base avec laquelle a été fondée Forever il y a plus de 42 ans. On vous a parlé des buvables à la pêche, du buvable à la pomme et au cranberry, et celui avec des ingrédients toujours naturels pour le confort articulaire. Eh bien, ce soir, on va vous parler du dernier buvable des indispensables, qui s'appelle Carlo. Nous t'écoutons. Le Pop Spin Power, voilà, c'est Yes. vraiment un concentré de plein de puissance de fruits. Poum, quand tu bois ça, voilà, c'est pour ça que j'en ai bu tout à l'heure et ça me fait Ah, vraiment c'est pour vibrer. ça! Ah Donc, oui, si vous non, voulez être dans le même état que Carlo, il faut acheter mais. le Ouais, mais prends un peu moins peut-être. Voilà, Pomestine. mais. Non, mais ça me donne toujours de la pêche. Tu vois, je prends le matin, tu vois. C'est un concentré de fruits. Et qu'est-ce qu'on trouve dedans? Parce que pour les gens qui ne savent pas, ben on trouve C'est ça. de la grenade, tu vois, la grenade qui est très intéressante, très bon antioxydant, la poire, tu vois, la framboise, la mûre, la myrtille, tous ces fruits qu'on aime bien croquer aussi, au naturel. Et puis aussi l'extrait des pépins de pompe-mousse de raisin, pardon. Je pas pompe-mousse, non. Mais je l'ai pressé dans un pompe-mousse ce matin, donc c'est pour ça. Ah, c'est pour ça. On peut faire de Oui, toutes sortes de boissons d'ailleurs. tout à fait, parce que vu que c'est très concentré, donc on a vraiment ce fructose qui explose en bouche. Donc je dilue avec des jus. Et là, ce matin, j'ai pressé en même temps pompe-mousse et des clémentines. Et là-dessus, j'ai rajouté en fait le pomestine. Donc on retrouve les extraits de pépins de raisin et du mangoustan dedans. Donc tu vois, c'est vraiment. Et bien sûr, l'aloe vera. Bien On sûr. l'a vu aussi dans notre pomestine power. Donc c'est vraiment un boisson aux fruits exotiques, moi je vais appeler ça. Tu vois, fruits rouges, c'est délicieux. Mais vraiment, Oui, c'est délicieux. il est très bon, oui. Il Et est excellent. tu parlais justement du côté antioxydant de toutes ces choses-là, et on a aussi l'apport en vitamine C, hein, vitamine C quand même, qui est quand même largement utile, surtout en ces temps un peu étranges. Oui, tout à fait. Et puis, il faut toujours dire, bah, la vitamine C protège les cellules, entre autres, contre un stress oxydatif et réduit aussi la fatigue. Oxydatif, Voilà. mais Donc, bien sûr. moi, je suis en pleine forme, parce que c'est un peu, je sais pas quelle heure il est, chez nous, chez toi, en Bretagne, il fait. Quelle heure il est en Bretagne? Eh bien, je ne sais pas. Il doit Il est être 10 heures. 19h40, il est 19h44 en Bretagne. 19h45. Voilà. La Donc, pluie s'en monte. voilà, mais tu vois, c'est quelque chose qui est très intéressant, saveur doux, gourmand, tu vois, parce que c'est un goût très gourmand. On peut l'utiliser aussi dans la cuisine, tu vois. Donc, moi, tout à l'heure, je vais préparer une bonne salade. Ben, je vais l'utiliser aussi dans ma salade pour un peu ce goût fruité qui est vraiment très concentré. C'est quelque chose qu'il faut vraiment. Ah oui, voilà, j'avais oublié aussi, il y a l'airelle dedans. Alors, qu'est-ce que les règles? L'airelle, bah, on tape sur Google, RL, il y a plein de Google trucs qui vont sortir. Non, mais est voilà. Non, mais c'est vraiment, c'est pour les RL. Je ne sais pas si je dis ça bien, mais ça s'écrit AIRE2LES. Voilà. ami. Oui. Donc, voilà. Mais c'est des fruits un peu à l'ancienne qu'on a peut-être oubliés, tu vois. C'est Donc, vrai. qu'on ne trouve plus forcément en petites barquettes dans les grandes surfaces. Mais on peut le trouver dans notre Dans les pomestine produits plafond. Forever, c'est Voilà, ça. Et exactement. effectivement, comme tu disais, on peut effectivement l'utiliser en cuisine. Et moi, c'est ce que j'adore avec nos produits aussi, c'est que pour les personnes créatives, hein, que ce soit en cocktail, en smoothie, en cuisine, vous pouvez vous donner à cœur joie. Et donc, c'est vraiment super. Vous allez créativité avec vraiment toutes les vertus des produits. Donc, c'est super. Bien sûr, toi, même les gens qui font de la pâtisserie, de préférence, sont utiliser trop de sucre, hein, parce que moi je suis pas trop dans le sucre voilà, on peut le remplacer par d'autres choses, et entre autres avec le Pomestine Power qui donne ce goût sucré
des fruits rouges et fruits exotiques à certaines pâtisseries. On peut l'utiliser aussi quand on fabrique des sorbets, des glaces. Donc, il faut vraiment l'utiliser dans la cuisine. Faites-vous plaisir, comme tu as dit, Vanessa. Sois créatif et surprends-nous si on voit nos recettes. Hein. Je donne quand C'est même la ça. référence. C'est la référence 262 sur ta boutique en ligne. Ça se vend en 473 ml, toi. Donc c'est quelque chose qui est pratique, toi. Souvent, moi le matin, j'en prends 30 ml que je mélange aussi avec par exemple, notre pulpe. Hein. On a déjà abordé notre pulpe il y a quelque temps, donc le Oui. produit phare de chez nous. Et parfois, je triche aussi, je le mélange avec du Fab X. Moi, je suis un très grand fan du Fab X. Ah oui, il est Je très bon, garde ouais. juste dedans pour donner ce goût un peu plus fruité à nos canettes naturelles. Voilà. C'est vrai, c'est vrai. Et bah d'ailleurs, le Fab X, on fera un live, bien sûr, hein, sur cette référence. Exactement. Mais bon, c'est vrai que on peut le mélanger avec plein de choses et on peut effectivement s'y donner à cœur joie. Le Fab X, qui est la référence 440. Donc, Ah. vous pouvez aussi le trouver sur la boutique en ligne. Exactement. Donc, n'hésitez pas. Faites-vous plaisir vraiment avec ce pomestine. Il est excellent. Même pour les enfants, ça passe. Grand, petit, tout le monde va Mais c'est vrai adorer. que, toi, j'ai jamais essayé pomestine Fab X, le mélange des deux. C'est vrai que ça peut être pas mal, vous voyez. Pour les adeptes de whisky coca, si vous voulez quelque chose de plus soft, ben voilà, vous faites Fab X pomestine. voilà, ça peut être pas mal Ou comme mélange. gin tonic, hop, on remplace par le pomestine. C'est pareil, on peut vraiment faire plein de choses avec. Voilà. J'ai des gens qui le donnent aussi, qui font des cocktails non alcoolisés, comme des cocktails alcoolisés. Et après, il faut mettre un petit astérisque, ne pas abuser trop d'alcool. C'est un truc comme ça en France, hein, qu'il faut mettre, je crois. Oui, c'est ça, c'est ça. Voilà. Donc, ceci dit, n'abusez pas de tout ça, mais abusez de notre pomestine. Il est très bon. Voilà. D'ailleurs, moi j'ai une commande perso à faire là et je vais le recommander parce que j'aime beaucoup ce jus. Et en plus, rien que de voir la bouteille, moi je suis apaisée. Attends, je le cherche dans le catalogue. Alors, il est en petit, mais la bouteille est blanche. Avec un bouchon rouge et vraiment comme un dessin rouge qui vous donne du peps. Voyez, la petite C'est bouteille ça. là. On la voit pas trop, mais en vrai, je trouve que déjà rien que de la voir, ben, j'ai la patate. C'est Ouais, vrai. mais ça, et elle prend bien dans la main, c'est un truc tout con, mais je l'aime bien le prendre, tu vois, il y a une colle pour bien verser. Je trouve ça génial, tu vois. C'est C'est notre, vrai. voilà, c'est notre, je ne vais pas donner la marque, mais notre eau Oui. originale Oui. de Donc là, on a les bienfaits, on a l'ergonomie, on a la beauté de la bouteille, on a la possibilité d'être créatif. Bref, il est temps de découvrir la référence sur la boutique en ligne. Donc, vous allez dans la rubrique Les indispensables et vous trouverez le Pomestine. Et comme Exactement. disait Carlo, une fois que vous l'avez commandé, que vous l'avez goûté, n'hésitez pas à nous faire parvenir les recettes que vous avez inventées, si vous voulez partager des idées, voilà, partagez-nous un peu vos inventions. Ça nous fera plaisir. Voilà vos expériences, votre retour produit, voilà, votre histoire avec ce produit, avec votre famille, tout ça. Et surtout, partagez cette vidéo parce que on a plein de choses à dire. Plus de monde qui nous écoute. Plus qu'on se porte bien, et puis voilà, tout Bah oui, simplement. parce que nous, quand on est tous les deux, déjà, on rigole, hein? Voilà. Mais c'est vrai que plus on est fou, plus on rit. Et là, pour le coup, cette phrase, elle est vraiment là, au bon endroit. C'est-à-dire Exactement. que plus vous allez être nombreux à interagir, à nous poser vos questions, à nous faire vos retours, et plus on sera content. En plus, on est Exactement. sympa, regardez, on est plutôt beau, on fait de l'humour, on a des choses super intéressantes à vous dire pour votre bien-être au quotidien. Donc, trois bonnes raisons pour partager. Qu'est-ce que vous en pensez? Voilà, c'est simple, efficace, comme le produit, comme ton site internet, comme toi. Toi, simple, efficace. Il n'y a rien Ah, à merci mon Carlo. rajouter. Non, mais c'est vrai. Et puis, toi, on peut faire aussi des lives à plusieurs. Donc, faites une demande à Vanessa et on fait des lives avec vous en tant qu'invité. Donc, n'hésitez pas de le faire. Toi. Et comme ça, on partage aussi nos expériences de votre côté au niveau du produit. Voilà. Exactement.
Superbe. Eh ben, merci pour ta présence, Carlo. C'est toujours un plaisir. Et on va vous souhaiter une bonne soirée. Voilà. Ouais, je me dis, qu'est-ce qui va me sortir? Une petite blague? Moi, Mais non, c'est juste, allez, au je vais plaisir. faire ta bêtise ce soir. Ouais, remarque, Voilà. j'ai la forme, c'est vrai. C'est vrai. Allez, petite blague pour finir en beauté. Allez, vas-y. Ah non, non, je te demande à toi. Ah, moi! Bon, alors, bon, elle est mignonnette, hein, elle est mignonnette. C'est un ver de terre qui sort d'un plat de spaghettis et dit: Oh là là, quelle partouze! C'est un plat. Non, 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 non. Non, mais j'étais juste en train de m'imaginer le plat de terre qui sort de son plat avec du spaghetti là. Mais je me demandais où est le ketchup dedans. Mais bon, ça n'a rien à voir. Alors, ben oui, non, non, pas d'artifice. On commence toujours sans artifice. Naturel, donc pas de fromage, pas de ketchup, rien du tout. Après, Bon, okay. Allez, vu qu'on est sur cette tendance-là, allez. sur ce bon confinement. Bah, bon confinement, voilà. Non, mais éclatez-vous avec nous, franchement. Regardez-nous. Envoie même votre blague à nous. On est preneurs. Voilà, donc voilà. Et en même temps, pensez à nous en buvant ou commandez le produit. Voilà. Bon, et nous, maintenant, tu sais, les hommes, je suis un homme, tu sais pourquoi quand ils s'assoient, ils s'écartent toujours les jambes. Je ne sais pas si tu as vu les mecs, ils écartent tous les abdos, ils écartent les jambes. Ah oui, c'est vrai. Non, Non, je sais mais pas. je me suis posé la question. Hein. Je dis, mais pourquoi les hommes, ou beaucoup d'hommes en tout cas, ils font ça? Bah, j'ai trouvé. Bah, Ouais. voilà, je pense que c'est probablement pour faire respirer leur cerveau. Mais bon. Ok, Hein. là, on a du level ce soir. Hein. Je sais pas ce qu'ils vont Voilà, dire les gens, c'est mais ça.